Ma mère. Les îles ne sont pas les mêmes dans ce texte. Non. Amenas. Ah, Elias. Ouais, mais il est là-haut, quoi. Non, il est là. Good boy. Santé. Good boy. Yeah.
veut dire bon truc pour garder le café. La yande. J'espère que t'as bien kiffé ce petit vlog un peu ASMR et qui t'a bien mis dans l'ambiance du Hellfest 2023. En tout cas, comme moi, je l'ai vécu. C'était vraiment un trop beau festival. Moi, c'est la deuxième fois que j'y vais et j'ai trop aimé. Quand je filme ça, ça fait déjà maintenant 2 semaines que c'est fini. On a déjà pu racheter des billets pour l'année prochaine. Malheureusement, que 2/5. Je sais pas si vous savez, d'habitude c'est toujours les passes 4 jours en octobre et ensuite il y a les passes journaliers qui sont vendus en début d'année
Là, ce sera en début d'année 2024. Mais cette fois, ils ont directement fait le 50% des passes le 27 juin. Et le reste des 50% des passes, ce sera en octobre. Donc, franchement, fil Luc à tout le monde. Si vous voulez avoir des passes, nous, il nous en reste 3 à acheter. Je sais pas qu'on va faire. Je sais pas si d'autres personnes en ont déjà parlé dans des vidéos, mais le samedi soir, on est allé voir The Who. Et ils étaient à la scène du temple. Ensuite, je sais pas, à ce qui paraît, ils étaient déjà programmés une autre année, je crois, celle du Covid. Mais entre deux, ils ont pas mal gagné en cote. Enfin, je pense qu'ils sont devenus un peu famous. Ils ont d'ailleurs gagné le prix artiste de l'UNESCO pour la paix. Je sais pas ce qui s'est passé. Nous, on est allé assez devant la scène. Ben, il y a l'altar, le temple. Mais en face, il y a un espèce de bâtiment où il y a le bar et des toilettes. Et il y a aussi des snacks. Et nous, en fait, on était... ça fait comme une petite marche. Et on était derrière cette marche parce qu'on pouvait pas aller en avant. Donc on était juste... Il y a un écran, donc on a vu le concert depuis l'écran. Mais en fait, c'était aussi un lieu de passage. Et on était un peu écrasés en fait, par toutes les personnes qui passaient. Et à ce qui paraît, il y avait des personnes qui regardaient depuis l'entrée du festival. Donc peut-être c'était une erreur de programmation. J'étais un peu angoissée qu'il y ait un mouvement de foule à ce moment-là. Tout s'est bien passé, hein. Mais j'avoue que j'avais quand même peur à un moment. Mais du coup, tout s'est bien passé, c'était nickel. Après, ben, à l'altar, il y avait Meshuga. Et bon, on s'est mis pour attendre Meshuga, sauf que du coup, les gens qui étaient dans le temple sont tous passés par là pour sortir. Il y a eu un peu une vague de gens qui sont sortis devant l'altar, mais bon, tout s'est bien passé. Et après, pour sortir, il nous a fallu 15 minutes juste pour sortir de l'enceinte du festival. Mais bon, il y a eu plus de peur que de mal. En vrai, nous, c'était trop cool. Et vu qu'on vient de Suisse, ben... On a voulu profiter de prendre un peu nos vacances en même temps. Donc nous, on a fait un jour dans un Airbnb à Nantes. Le premier, j'ai très peu filmé. Ouais, il était un peu mal placé, mais voilà. Je crois qu'il fallait 30 minutes de bus depuis le centre. Donc ça allait pour une nuit, c'est très bien allé. Hein. Ensuite, nous, on a loué un camping-car. C'était cool pour chiller la journée parce que t'es crevé. Mais ouais, on a loupé plein de concerts parce qu'au final on était trop bien posé dans le camping-car. Et le dernier jour, on est retourné dans Airbnb vers Nantes, je crois que c'était un petit bled à côté. Mais il était trop bien, donc je vous laisse peut-être même le lien du camping-car et d'un ou des deux Airbnb en dessous si ça vous intéresse. Bon bah voilà, c'était juste mon petit vlog, mon expérience du Hellfest 2023, c'était génial, je peux pas attendre d'y retourner. Mais du coup, c'était assez cool de commencer cette chaîne avec cette première vidéo. Mais on veut mariner plein de trucs ici, donc n'hésite pas à suivre si tu veux voir la suite des aventures. Et puis je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.